BFM Business. Qui êtes-vous ? Avec Edwige Chevrillon. Qui êtes-vous avec Virginie Calmels, donc déjà en plein dans le bain de la politique. On va rappeler, donc, vous étiez chez Endemol. L'univers de la télé, ça vous manque pas, Virginie Calmels ? Pas du tout. Pas du tout, non. Pourquoi ? Vous savez, vous me parlez de la télé, mais Endemol, ça fait déjà 2 ans que j'y suis plus. J'ai fait Euro Disney, j'ai créé ma propre entreprise. Enfin, vous savez, on vit avant. Il y a eu Canal avant, il y a eu Numéricable, Free, c'est des télécoms. Non, j'étais pas particulièrement attachée à la télé. Vous savez, c'est aussi des opportunités de la vie qui font. Puis c'est des aventures humaines. Vous avez parlé de Denis Oliven, c'est aussi à un moment donné. Quelqu'un qui vous fait confiance, une opération commando qu'on a faite ensemble sur Numéricable et qu'on a trouvé, c'était il y a 15 ans. On y va, mais on va voir quand même que le numérique, c'est votre domaine. On voit ça tout de suite avec qui vous like. BFM Business, qui vous like ? Alors vous, les réseaux sociaux, ce qu'on peut dire, Virginie Calmels, c'est vous connaissez. Hein, au moins, vous êtes une personnalité totalement connectée. Ça veut dire que vous vivez avec votre siècle, avec le 21e siècle. Vous avez un compte personnel de Twitter. Vous avez 3362 abonnés. Et c'est très important pour vous, le Twitter, ou pas ? Non, c'est pas très important, mais comme vous le dites, je vis avec mon siècle, j'ai 44 ans, je suis bien ancrée dans le réel, et aujourd'hui, c'est un outil. Je suis pas une accro à Twitter, mais je l'utilise, parce que je pense que c'est un outil de modernité, et qu'il n'est pas inintéressant sur des petits messages brefs, et a fortiori, pendant une campagne électorale, ça permet aussi d'être au contact avec les uns et les autres. Donc, oui, c'est un bon outil. Alors, Constance Dupont est allée regarder un tout petit peu ce qu'on disait sur vous, ce que vous avez tweeté. En revanche, votre compte Facebook, il est verrouillé. Il est uniquement personnel, votre compte Facebook. Oui, puis je vais vous dire, il se trouve que comme j'ai occupé des fonctions précédemment où j'étais dans un milieu très médiatique, il y avait des personnes qui s'étaient amusées à créer des faux comptes Facebook, etc. Donc, sans devenir parano, on fait attention parce que parfois, il y a de l'usurpation d'identité et donc je suis prudente. Alors, il y a un compte Twitter que vous avez créé avec Calmels, ça c'est pour les élections à venir. C'est la politique, elle se fait maintenant, le lien avec les réseaux sociaux est vraiment indispensable. Oui, toutes bien évidemment. Se font parce que... et gagnent, se gagnent. Je ne sais pas si ça se gagne, mais en tout cas, ça fait partie de tous les outils que nous avons à notre disposition. Et surtout, moi, là encore, c'est générationnel. Et puis, j'espère remettre aussi de l'envie des gens de s'intéresser à la politique, d'avoir envie d'aller voter, et notamment les jeunes. Et donc, les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'échanges de jeunes entre eux. Et je pense que c'est sain de remettre les... Oui, mais il y a 904 abonnés, c'est pas beaucoup. C'est pas avec ça que vous allez remporter les élections. Ah bah, vous pouvez comparer avec les autres têtes de liste régionales. Non, je regarde avec vous. C'est qu'en fait, souvent, on a peu d'abonnés sur le compte officiel campagne et beaucoup plus sur le compte personnel. Comme vous l'avez dit, j'ai plus de 3000 abonnés sur mon compte personnel. Ouais. Mais si vous comparez avec d'autres têtes de liste régionales bien plus connues que moi et bien plus ancrées dans la politique depuis plus longtemps, vous verrez que c'est finalement... Alors, c'est pas beaucoup, effectivement, mais c'est un petit microcosme autour de la campagne. Alors, compte Facebook, vous en avez un tout petit peu plus de fans, 1139, vous voyez, Constance Dupont est précise. Et alors, ce qui est drôle, c'est quand on regarde la photo, ça fait un peu le lien, parce que c'est... toile de fond, on vous voit sur un plateau télé. Alors, je crois qu'ils changent cette photo. C'est pas moi qui anime ça. C'est les jeunes qui sont des bénévoles de ma campagne. Et ils changent effectivement les photos au fur et à mesure de mes actualités. Et là, c'est parce que j'avais enregistré une émission pour France 3 en région. Voilà. Ça, c'est le naturel. Il revient au galop. Mais vous savez, les médias sont aussi importants dans une campagne politique. Bien sûr. Fortiori quand on a un déficit de notoriété comme moi, face à quelqu'un qui a déjà 3 mandats derrière lui et qui brigue un 4e mandat, c'est-à-dire pour ne pas le nommer, qui brigue, qui était aussi l'invité de Qui êtes-vous ? Qui brigue d'être président de région pendant un quart de siècle, c'est quand même pas rien. Et je crois que c'est pour ça que des gens comme moi, la question de l'âge que vous mettez sur le tapis, Virginie Calmels, c'est la durée. Vous soutenez quelqu'un à qui on reproche, en tous les cas, on mentionne souvent son âge, Alain Juppé. Mais moi, je ne me permets pas de juger de l'âge de quelqu'un. En revanche, je dis que briguer la présidence d'une région pendant un quart de siècle, vous vous rendez compte qu'un jeune... Mais ça fait combien de temps qu'Alain Juppé est en politique ? Vous n'étiez pas né. On ne va pas comparer mon opposant à la région et Alain Juppé, qui est en train de briguer, lui, la présidence de la nation. Et c'est autre chose, et ce n'est pas les mêmes qualités qui sont requises. Moi, je crois que c'est un atout pour la France d'avoir un homme d'expérience qui ne fera qu'un seul mandat. Mais un homme d'expérience aussi pour la région. Vous voyez, ça peut
peut se jouer des deux côtés. Non, non, parce que une fois encore, d'abord, la région, c'est autre. Enfin, pour moi, les choses ne sont pas du tout équivalentes. Maire de Bordeaux depuis 95. Oui, mais pour une mairie, vous verrez d'ailleurs beaucoup, les maires sont souvent réélus parce que d'abord, c'est un temps long pour vraiment passer à l'action. Et ensuite, c'est aussi la capacité à faire des projets qui prennent malheureusement énormément de temps. Alors, des gens qui ont mon profil et qui sont des impatients ont envie que les délais soient plus courts et que l'administration se mette plus en phase avec les délais de l'entreprise et qu'on arrête d'avoir des délais aussi longs pour répondre aux attentes des entreprises. Sur les tweets qu'a retrouvé Constance, il y a évidemment celui où vous dites, vous remerciez, merci aux élus de notre grande région, merci de votre soutien. On vous voit aussi avec votre investiture en Aquitaine, on vous voit ça, c'est sur le lab. Il y a beaucoup de, vous voyez, on vous retrouve avec des images, des photos. Et alors, ça, c'était à cause du mot d'Henri Guénaud. Voilà. Et ça, c'est juste après Henri Guénaud qui dit, on ne va pas se retrouver avec Loana dans les rues. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais c'est comme ça que ça a été traduit. Oui, bon. Ouais. Non, mais c'est un peu le problème des réseaux sociaux, parfois. Vous savez, des ce que j'ai dit avec Henri Guénaud, c'est quand il ne me connaissait pas, il était contre. Quand on s'est connu un peu plus lors de la commission d'investiture, il s'est abstenu. Imaginez quand on se connaîtra mieux. Et effectivement, on s'est rencontrés et je crois qu'on a finalement beaucoup de choses qui peuvent nous unir. Et en tout cas, nous avons de l'estime et du respect mutuel. Comment est-ce que vous allez justement orchestrer votre campagne sur le plan des réseaux sociaux? Mais comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que non, il n'y a rien de plus. L'idée, c'est simplement de pouvoir être en réaction sur un certain nombre de sujets de société, de sujets d'actualité, et puis aussi de passer des petits messages qui sont extrêmement pratiques, de remerciements, de mettre en avant aussi des actions concrètes qui sont faites par d'autres. Moi, je crois que la politique, ce n'est pas d'être égocentré, donc il ne faut pas tout le temps se regarder le nombril, il faut plutôt mettre en avant tous ces gens, ces hommes et ces femmes qui font des choses formidables tous les jours dans ce pays et qui en ont marre d'avoir une politique qui les étouffe. Virginie Calmas, qui est assez notamment nos agriculteurs dans cette belle région. Vous savez, il y a tellement de choses magnifiques dans le Grand Sud-Ouest. On va rester sur l'aspect plutôt justement réseaux sociaux, blog. Lorsqu'on regarde le compte, le site de la mairie de Bordeaux, on trouve nulle mention de votre carrière dans l'audiovisuel, ni même de votre poste comme DG du groupe Endemol. Pourquoi ? Parce que justement, c'est En l'occurrence, je pense qu'on ne met parcours, pas Euro Disney, on voit tout. Moi, en général, Paris, Technicolor, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Endemol. Ah non, mais alors d'abord, il n'y a pas de volonté d'occulter. Simplement, ma bio est assez longue, même si je ne suis pas très vieille, j'ai fait beaucoup de choses. Donc si on raconte toute ma carrière professionnelle, c'est assez long. Donc je pense qu'il y a dû y avoir un résumé qui a dû être fait. Mais en l'occurrence. Vous savez, je n'ai pas honte d'avoir dirigé Canal, d'avoir été directrice générale déléguée de Canal à 31 ans, ni d'avoir été patronne d'un groupe de 7000 salariés leader mondial dans l'audiovisuel, ni aujourd'hui d'être présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney. Je crois encore une fois qu'il ne faut pas opposer sans arrêt ces mondes, ni essayer d'expliquer ce qu'ont fait certains de mes opposants politiques, que oui, mais bon, l'audiovisuel, c'est pas tout à c'est fait... C'est pas très sérieux, c'est le saltimbanque, vous savez bien. Mais vous savez, c'est assez triste parce que c'est une industrie, les médias, et une industrie à part entière, absolument, avec beaucoup d'emplois et beaucoup de compétences. Donc moi, une fois encore, de l'humilité et même mes téléspectateurs chez Endemol, je les ai jamais méprisés. Il y a un petit tweet qui dit et qui rappelle que vous avez quitté vos fonctions chez Endemol parce que vous vous ennuyez. C'est vrai ou pas ? Non, c'est pas de l'ennui. Vous savez, je crois qu'il y a un temps pour tout et c'est peut-être ce qui va aussi faire une différence par rapport à d'autres hommes politiques. C'est que moi, je crois qu'il faut changer, que la vie fait qu'on peut avoir plusieurs vies, plusieurs métiers et qu'on s'accroche pas à son poste. Effectivement, j'étais DG Monde de la première société dans le monde de production audiovisuelle. Beaucoup pourraient dire formidable, maintenant on va pantoufler pendant des années. C'est pas mon tempérament, moi j'ai plutôt envie de me remettre en risque, d'apprendre des choses différentes. Et là, la politique c'est pareil, vous savez, je brigue un mandat, je vais faire un mandat parce que je pense que les électeurs me feront confiance et que je serai élue présidente de région pour 6 ans. Mais est-ce que je m'inscrirai dans la continuité ou au contraire après j'irai faire autre chose? Je pense que c'est ça la grande différence avec beaucoup d'hommes. Justement, vous défendez souvent la cause des femmes, notamment sur Twitter. Vous dites en tant que chef d'entreprise, je donnais des responsabilités à des femmes pour leurs compétences. Pas seulement parce qu'elles étaient femmes, mais en même temps. Bien sûr, je pense que c'est ça qui est important. C'est très important. Moi, je crois qu'il faut arriver à passer ces clivages et à passer un peu ces archaïsmes. Les femmes sont très compétentes, elles sont courageuses. Denis Oliven, très gentiment, me rendait cet hommage du courage. J'aurais tendance à dire que je suis courageuse comme beaucoup de femmes. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes sur le terrain, que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu éducatif, dans le milieu entrepreneurial, qui sont très courageuses, qui prennent leur destin en main, qui
assument, qui n'ont pas toujours des vies faciles, qui assument aussi des enfants. Et moi-même, je suis mère de famille, je pense que les femmes sont courageuses. Donc effectivement, voilà, je défends la cause des femmes, mais je ne pense pas qu'il faille mettre des femmes parce qu'elles sont femmes. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout saluer leurs compétences et leur caractère, leur force de caractère. Et c'est en cela que les femmes gagnent leur galon et elles n'ont pas besoin d'autres choses et conclure, d'autres artifices. Pour conclure cette partie sur les réseaux sociaux, un petit tweet quand même où vous dites « tout n'est pas à jeter dans la politique industrielle ». D'Alain Rousset. Bien sûr, là aussi, dépassons les clivages de politique politicienne. C'est pas parce que c'est mon opposant politique que tout ce qu'il a fait est pas bon. C'est pas parce que M. Macron n'est pas de mon bord politique que quand il fait des choses qui vont dans le bon sens pour les entreprises, je préfère le saluer. Donc évidemment que je peux passer au-delà de ça. Et il a fait aussi bien, il est mon opposant politique, mais il a fait des bonnes choses, notamment pour les filières industrielles et l'aéronautique. Ouais. Je trouve qu'il a un prisme déformant et qu'il traite l'économie sous l'angle des grands groupes et notamment des grands groupes industriels et notamment aéronautiques. C'est très important pour l'Aquitaine. Ah bien sûr, pour l'Aquitaine, c'est essentiel. Mais c'est 10% de l'économie. Mmh. Il ne faut pas oublier les artisans, les commerçants, il ne faut pas oublier nos agriculteurs, il ne faut pas oublier la filière bois, comme vous le dites. Il a fait des bonnes choses. Pour autant, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses différemment et notamment parce que cet opposant politique, c'est aussi un député qui vote tous les jours des lois socialistes qui détruisent de la valeur en France. Il a voté la loi Allure, il a voté la loi Hamon. Pour moi, on est d'un côté dans J'aime l'entreprise, toujours les mêmes formules d'amour, et de l'autre, on détruit de la valeur avec une politique socialiste économique désastreuse. Et bien là, on voit déjà que vous avez été... Et un chômage qui décolle. Ouais. Et en Aquitaine, pardon de vous le dire, on est la région... Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de la politique comme tout le monde, Virginie Calmez, donc avec des arguments, non ? Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a un moment donné, là encore, faire de la politique, c'est essayer d'avoir des résultats. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne peux pas simplement... Vous donnez combien de temps en politique ? Un mandat, je pense que vous savez, en 6 années, je pense que vous pouvez transformer. Ouais. En plus, on a une opportunité magnifique. Cette région devient l'addition de 3 grandes régions. Ouais. Donc, on ne peut pas dire aux gens, dormez, braves gens, et rien ne va se passer. On ne peut pas faire comme mon opposant politique qui explique que finalement, on prend les mêmes et on recommence. Ils sont tellement fiers de leur bilan qu'ils restent entre eux et qu'ils recommencent pour la même politique. Moi, je ne suis pas fière que l'Aquitaine soit première en France en taux de chômage des jeunes, Dernière partie de Qui êtes-vous ? C'est le questionnaire de Qui êtes-vous ? BFM Business, le questionnaire de Qui êtes-vous ? Moi, je peux répondre la première partie. Votre principal trait de caractère ? Écoutez, je crois que je suis, déterminée, volontaire, dynamique. La force de caractère nécessaire pour réussir dans le business et dans la politique ? Qu'est-ce qui est important en business, qu'est-ce qui est important en politique ? Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait être fidèle à ses convictions. Parce que quand on est fidèle à ses convictions, on est dans l'authenticité. Et que ce soit dans le business ou en politique, moi, je crois que c'est une qualité essentielle. Le courage en est aussi une autre. Et je pense l'indépendance. C'est important de croire en ce qu'on fait et de ne pas être dans... Ça, c'est le point entre les deux, s'il y en avait un à trouver. Oui, mais je crois que c'est... Vous savez, moi, je n'oppose pas tellement ces deux mondes. Mmh. Je pense qu'il faut, au contraire, être ce qu'on est. Et quelles que soient les missions qui vous sont confiées, elles ne sont pas si éloignées que ça. Maintenant, c'est plus noble parce que je suis au service de l'intérêt général. Trait de caractère commun aux femmes, il y en a un ou pas ? Ben, je viens de le dire, je pense que les femmes sont très courageuses dans l'ensemble. Mmh. Je pense qu'elles, bien sûr qu'elles ont des traits... Moi, vous savez, je ne fais pas partie du tout, tout est pareil, les hommes, les femmes. On a des différences, et tant mieux. Et je suis pour la complémentarité des talents. Vous êtes une... On l'a vu malgré tout, même si vous êtes arrivée un peu par hasard, vous l'avez encore souligné, une enfant de la télé. Pourquoi est-ce que la télé, ça rend fou ? Parce qu'il y a beaucoup d'ego. Et je crois que ça, c'est un trait de caractère aussi des femmes, peut-être. C'est que parce qu'on est mère de famille, parce qu'on a d'autres préoccupations, je pense qu'on met souvent notre ego au deuxième plan et que l'ego est souvent mauvais conseiller. Et donc, il est vrai que dans les médias, qui ont l'exposition médiatique est telle, que les egos sont très, très forts. En politique aussi. La télé, les hommes plus que les femmes. La télé-réalité et l'excellence, est-ce que c'est compatible ? Mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. La télé-réalité, ça a été une forme de révolution dans le domaine. C'est un genre de télé qui a été inventé par un homme qui s'appelle John de Mol. Bon, voilà.
Après, moi, c'était pas tout à fait ma tasse de thé. Et comme j'ai souvent dit, c'est pas ma génération. La télé-réalité, ça s'adresse aux 18-24 ans. En gros, c'est ça la cible. Ouais. Mais il faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Il y a eu une forme de création. Donc c'est compatible avec l'excellence. Bien sûr, parce que vous savez, faire 5, 6, 7 millions de téléspectateurs, c'est pas donné à tout le monde. Donc derrière tout ça, il y a une forme de compétence, non, mais je parle d'exigence. Des Français qui participent à la télé-réalité, est-ce que c'est une manière... Mais vous savez, là encore, dans Secret Story, bon, moi je parle pas du Loft, j'y étais pas, mais dans Secret Story, non, Spaolini et moi-même, on a voulu faire évoluer Secret Story avec ses secrets où on disait, mais on veut pas que des gens qui sont pas représentatifs de la réalité de la vie, et on veut aussi de l'excellence. On avait un fantastique joueur d'échecs européen ou quelqu'un qui a eu son bac à 13 ans. Donc il faut pas caricaturer. Il y a des gens, vous savez, très intelligents qui aiment ces émissions, qui les regardent, et il y a des gens aussi très intelligents qui les fabriquent, et il y a aussi des gens très intelligents qui participent parce qu'ils savent que derrière, ils vont y tirer une exposition médiatique intéressante. Votre plus grand regret? Alors, comme je n'aime pas avoir des regrets, j'essaye de tout faire pour justement ne pas avoir de regrets. Et c'est souvent comme ça que j'ai dit, quand Alain Juppé m'a proposé de rentrer en politique, ce n'était pas du tout ce que j'étais en train de faire. J'étais entrepreneur. Mais ce n'est pas un regret, ça. Et pour ne pas avoir de regrets, j'ai changé de vie. Et je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, justement pour m'interdire d'avoir des regrets. Ah ben voilà, comme ça, c'est fait. Les héros qui vous ont structuré. Les héros? Oui. Je ne sais pas si vous avez des héros. Non, pas, je ne suis pas. Je suis pas sûre d'avoir été une enfant de super-héros. Vous voyez, je vois mon fils à 6 ans et demi, il a plein de super-héros. Moi, je crois que je n'ai pas eu des super-héros. Après, il y a eu des mentors, vous l'avez dit, dans le business ou en politique aujourd'hui. Mais ce n'est pas des super-héros et je ne crois pas m'être identifiée à des héroïnes. Ou alors, c'est des héroïnes de romans. Voilà. Et qu'est-ce que vous lisez ? Oh, j'ai des goûts très éclectiques. Moi, j'aime beaucoup la littérature russe. J'aime beaucoup le côté sentimental. J'adore Stefan Zweig. Pour moi, c'est un maître. Albert Cohen, j'adore. Belle des Seigneurs, une de mes références. Voilà. Est-elle, aussi, je lis aussi des livres contemporains, mais moins marquants. Est-il encore utile de lire? Ah oui, ça, je pense que c'est utile. Je pense que... Des livres? Ah oui, je pense que sur c'est... Sur papier? Moi j'aime le papier. Je suis une femme bien ancrée dans le monde réel et dans les réseaux sociaux et numériques, mais j'ai besoin à certains moments, notamment pour la réflexion, moi j'ai besoin d'un papier et d'un crayon, et j'aime les vrais livres. Je suis pas une grande adepte du livre numérique. Quel est l'homme ou la femme politique justement qui incarne le plus l'époque actuelle? L'époque actuelle, vous savez. Je ne sais pas si dire incarner l'époque actuelle. Peut-être Cameron en Angleterre. Je pense qu'il montre que l'époque est à la réforme. L'époque est à la responsabilité à prendre les choses en main. Et il est de son temps. Non, aujourd'hui, pour moi, ça ne vous étonnera pas. Je pense que... Assez paradoxalement, je pense qu'Alain Juppé peut incarner l'époque actuelle, c'est-à-dire une forme d'implication dans l'intérêt général. Je crois que l'époque actuelle, en tout cas pour les politiques, c'est justement d'arrêter la politique politicienne et l'intérêt personnel, c'est de se placer au-dessus de la mêlée et d'incarner la vision, le long terme et l'intérêt général. Faut-il être blonde pour réussir en politique ? Oh là là, alors là, on a compris que c'était plutôt un désavantage d'être blonde et d'être femme. Ça dépend quand on regarde... Non, je pense que c'est un désavantage parce que vous êtes très caricaturé sur votre apparence physique, ce qu'on n'a pas pour les hommes. Ils ont cette chance. Quand on est femme, on va faire attention à son maquillage, à ce qu'elle portait, à sa couleur de cheveux. Bon, voilà. Mais je pense en tout cas que c'est pas non plus très déterminant. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je suis ce que je suis. On me prend avec mes bons, mes mauvais côtés, y compris votre physique. Blondeur. Voilà. Le machisme en politique est-il en voie d'extension ou d'extinction? Je crois ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est loin d'être en voie d'extinction. Et heureusement, je ne pense pas que ce soit en voie d'extension. Je pense qu'il y aura toujours des hommes très machistes, comme je pense qu'il y a des hommes qui aiment travailler avec les femmes, qui reconnaissent les femmes et leurs valeurs. Voilà, donc je pense qu'on aura toujours un peu ces deux extrémités. Mais c'est vrai que j'espère, en tout cas, moi je me le dis souvent, mon fils a 6 ans et demi, et je me dis que quand les jeunes garçons auront vu leur mère travailler...
avoir une forme d'indépendance et d'affirmation. Peut-être qu'ils seront, j'espère, un peu plus ouverts à la condition de la femme que ne le sont leurs grands-pères. Êtes-vous pour une solidarité féminine en politique, quelles que soient les tendances, lorsqu'on voit les critiques qu'a subies Cécile Duflot ou Nadine Morano, ou d'autres femmes évidemment, est-ce qu'il y a une forme de solidarité à avoir ? Oui, je crois, parce que je pense que là encore, sans une fois encore, hein, moi je n'aime pas le fait de dire comme je suis femme, je suis inattaquable, parce que si on m'attaque, c'est parce que je suis femme. C'est pas vrai. On peut contester une politique, la politique de Madame Taubira peut apparaître contestable, c'est pas parce qu'elle est femme qu'elle est contestée. Donc, mais je crois qu'il faut une forme, je sais pas si c'est de solidarité, mais en tout cas, on se comprend, et clairement, il y a des attaques qui sont inadmissibles, et évidemment, il faut pas qu'elles viennent de femmes, parce qu'alors là, on touche le fond. Je veux dire, il y a des attaques qui sont très terrifiantes, qui sont d'un niveau assez médiocre, et il ne faut évidemment pas qu'elles viennent d'autres femmes. En cas d'échec régional, est-ce que vous retournerez dans le secteur privé ? Non, clairement, en cas d'échec régional, je continuerai mon mandat parce que j'ai été élue, je suis adjointe au maire à Bordeaux, et je considère que les électeurs m'ont fait confiance, donc je continuerai mon mandat. Et l'inverse, en cas de succès, eh bien, vous abandonnerez vos mandats dans le secteur privé ? Oui, absolument. Voilà, sauf peut-être Euro Disney, parce qu'une fois encore, je crois, mais une fois encore, si c'est possible, et là encore, les journées ne font que 24 heures, je serai toute à ma tâche. Donc, il n'est pas question de me disperser. Je pense qu'on ne peut faire ce mandat, mais bien le faire qu'en étant complètement investi dans ce mandat. En revanche, un rôle non exécutif dans le privé, je crois que ça apporte autre chose. Et je crois que les citoyens aspirent à avoir des politiques solidement ancrées dans le réel. Votre devise pour conclure ? Ma devise, émission. J'en ai plusieurs. Que j'aime cette phrase de Cocteau qui dit « Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito ». J'aime beaucoup cette phrase. J'aime aussi celle de Thomas Jefferson et j'en ai fait un peu ma devise qui est de dire « Plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Merci beaucoup Virginie Calmette. Jolie phrase de fin. Merci beaucoup. Merci.